départ. La gare du village avait des airs funèbres, tassant son grand bloc d'ombre au milieu des ténèbres. Au moment des adieux pleurait le vent du nord, et la gare, on y dit une maison de mort. Quelques rouges fanaux trouaient le crépuscule, et tous ces fanaux semblaient remplis de sang qui brûle. Et tout là-bas, parmi les lointains solennels, les rails disparaissaient dans l'ombre des tunnels. La gare du village avait des airs hostiles, et les rails allongeaient leur froideur de reptile. Tout le long de la voie au feu phosphorescent, les fils du télégraphe où parlent les absents. Chuchotant à distance, un rappel aux mémoires, aligna dans la nuit leur fil de harpe noire. Et lorsque le convoi l'eut emporté au loin, je suis resté longtemps, inerte, dans un coin. Dans un coin où le vent attristait sa musique, à me sentir au cœur un mal presque physique, un mal d'écrasement et d'atroce langueur, comme si tout le train m'eût passé sur le cœur.